Salut, bienvenue à tous dans un nouveau rendez-vous d'actualité. Quand on pense à une chanteuse pas comme les autres, il s'agit d'une certaine Sylvie Vartan. Très difficile de ne pas faire le lien avec le nom sacré de la chanson française Johnny Hallyday. Pendant presque 17 ans, les deux stars de la musique ont partagé leur vie quotidienne. Sylvie Vartan et Johnny Hallyday ont vécu une histoire d'amour intense et passionnelle, ce qui ne les empêche pas de s'unir le 12 avril 1965. Et d'accueillir un petit ange prénommé David l'année suivante. Papa de son premier bébé, son premier époux et son premier amour. L'idole des jeunes est l'un des artistes qui a marqué pour toujours la chanteuse. Mais Johnny n'est pas le seul homme. Grâce à leur divorce, la maman de David Hallyday a rencontré un certain Tony Scotti, acteur et producteur américain. Leur amour dure depuis presque 3 décennies maintenant. Sylvie Vartan l'avoue avec émotion. J'ai eu la chance de rencontrer à 37 ans un homme qui m'a offert un amour auquel je ne m'attendais pas du tout. Le 2 juin 1984, les deux amoureux se sont mariés dans la Cité des Anges. Et depuis ce jour-là, c'est l'amour fou entre eux. D'autres hommes, sans doute moins connus des Français, ont également marqué la vie de la chanteuse de 77 ans, comme son papa. Dès son adolescence, la jeune Sylvie a baigné dans le monde de la musique. Son frère, Eddie Vartan, musicien, auteur, compositeur, interprète de renom, lui a permis de se faire un nom dans le domaine de la chanson francophone. Dédié Barbelivien, l'immense auteur, compositeur, interprète, lui a composé une chanson dédiée à Darina, la fille adoptive de Sylvie Vartan. Dominique l'a aidé à faire ses premiers pas sur un plateau de télévision. La liste est encore longue. C'est la fin de ce rendez-vous. N'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci, à très bientôt.